du tube. Allez, accrochez-vous, on y va. Demon Prince. Ah ouais, faut... il faut vraiment remonter par là avec cela. Même si Oxiot m'a déclaré la guerre, c'est pas grave. On fonce. Trois armées de plus qui arrivent de ce côté-là, ça va faire mal. Toi, clac. Voilà, faut juste être un peu prudent pour pas perdre tout ce que j'ai ici. Est-ce qu'il y a des trucs qui doivent évoluer? Oui. Tout ça, non. Ça, bien sûr que non. Là, non plus. Nope. Source de la vie éternelle. Ouais, de toute façon, je peux pas y aller ce tour-ci. Donc, on va faire ça. Perdons pas de temps. Valkia, elle avait des choses à faire. Comme par exemple... casser les culs. Ça fait du monde ici avec la garnison en plus. Vas-y là, ça va encore me retirer des élus. Il y a quoi là-dedans? Il y a beaucoup de constructions? Des Uchaptis, non, il n'y a pas de truc spécialement costaud. À part les sphinx en tant que monture, quoi. Que Valkia a un peu de mal à tomber, hein, c'est vrai. Vas-y. Non, mais je veux dire, il n'y a pas de grosses constructions, genre Hiérotitan, Nécrosphinx ou des trucs comme ça, il n'y en a pas vraiment. Il y a que des... Il y a quelques Uchaptis, Uchaptis à arc. Mais ça, c'est facile à détruire, les Uchaptis. Les massacreurs les défoncent extrêmement bien. Et les buveurs de sang se débrouillent très bien aussi sur les Uchaptis. Oh, ils se blottissent contre les... ils se blottissent contre le quad map. Les renforts! Les renforts! Ouais. Bougez pas, on arrive. Allez dans mes caméras. Ouais, c'est bon, hein, Valkia. Va, reste dans la mêlée ici, parce qu'il va être trop casse-couille, lui. Ils arrivent dans combien de temps? 2 minutes 30, 1 minute 40, 1 minute 40. Je doute qu'on puisse... Oh, occupez-vous de lui, tiens. Voilà, on va buffer tout le monde. Est-ce que c'est jouable sur un laps de temps aussi court? Pas sûr. J'bonk bonk bonk bonk. Attendez, cassez-vous, vous. 1 minute. Non, ils sont trop nombreux. Je pense qu'ils sont un peu trop nombreux. Faudrait déjà réussir à tomber celui-là vite. Ça leur briserait le moral. 40 secondes. Allez, les buveurs de sang, ça peut le faire. Allez, bourrez leur centre. Mais non, en fait, ça m'intéresse pas de toute façon. Je veux affronter tout le monde, moi. Je veux donner de l'amour à tout le monde. Merci Rise Northstar pour les 5 mois. Ça m'intéresse pas, moi, de... Ah, voilà. Eh bien... Encore un chat. Bon, par contre, vous allez faire une pause plus loin. Hein.
tout ça aussi. Ouais, toi tu peux rester là. Bah, va par là. Ah, il s'est fait bloquer lui. Attends, oh là là, oui, oui. Reculez, 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 reculez. Ok, détruisez les Ushapti Arc, ce sera très bien. Oh, on peut avoir la lame de corde, s'il vous plaît. Elle est où, Valkyrie? Elle est là-dedans. Très bien. Ah ouais, et puis ça arrive encore. Hein. Il y a une catapulte? Non, mais il y a des Ushapti Arc. Quelques archers qui peuvent être embêtants pour mes buveurs de sang. J'arrive absolument pas à décrocher mes massacreurs et ça m'embête un peu. Parce que j'aimerais bien le faire. Tiens, tue le scorpion, toi. Non, je vais attendre la lame de corne. Allez, venez vous occuper des rôdeurs, c'est plus le croc parce que ceux-là... C'est une menace beaucoup plus que les archers. Enfin, beaucoup plus que les lanciers squelettes plutôt. Ils peuvent être très méchants ceux-là. Alors, autour de Valkyrie, c'est pas mal. Autour de Valkyrie, c'est pas mal. Je pense qu'on pourra la lancer une deuxième fois. Voilà, finis juste les harceleurs. Hop là. Ok. Il y en a qui souffrent à cause des chats. Bon, Valkyrie, quitte à faire ça, je préférerais qu'elle vienne avec les buveurs de sang. Elle pourrait sortir de là ou pas? Ah, ce serait étonnant quand même. Ça serait étonnant qu'elle y parvienne. Le chat de Furgos! On peut pas le perdre! Ah, il y en a un qui prend cher. Lui, il est au milieu du bordel. Ah ouais, très bien. Ah, le buff! Et il va faire un tour. Gérard de Pardieu! On va pas le perdre, hein, pas encore! Ok, déjà un de moins. C'est quoi l'autre? Attends, c'est quoi ces... Mais c'est des... Ah oui, non mais d'accord. Ah, c'est ça le problème. Ok, Valkyrie laisse tomber, mais par contre les rôdeurs c'est plus le croc, faut y aller là. Où le camp toi? Ok, épée de Kane, deuxième couche. Peut-être un peu trop proche de mes troupes, mais c'est pour la bonne cause. Ah, ça va, ça va, ça va, ça va. Ah, désolé les fans du Z-Event, ça a été un petit peu violent, mais il le fallait. Ah bah voilà, ça a brisé leur morale. Non, le... Oh. Oh, le chat de Furgos qui s'en sort à 3 survivants! Incroyable! Oh. Ah, ils sont passés à pas grand chose. Ils ont failli être bannis. Ils m'ont tué 200 persos, quoi. C'est trop fort, les rois des tombes. Faut les nerfer.
C'est la fin! C'est la fin de tournage! Pour le chat de Furgos qui nous arrête, qui s'arrête ici! Non! Il en restait 3! Mais ils sont morts de la ch'touille après la bataille! Ah, oh, désolé! Oh, Furgos, c'est pas ma faute! C'est pas ma faute à moi! Moi, Lolita, au secours! Valkyria the bloody. Merde alors. For the blood god. Jamais. Battle brings conquest. Petite armée de plus. Hetwoman. Qu'est-ce qu'on pourrait rajouter là-dedans? Un chagot, non, ça ferait tâche. Un broyeur d'âme en réalité, non? Ouais, on va attendre d'avoir un truc dans ce goût-là. Va falloir un tour ou deux pour se remettre. Je demande une minute de silence. Oh là là. C'est terrible ce qui se passe. Après tant de bons et loyaux services, ils ont abandonné lâchement. Ils ont fait... mais ils sont morts en se battant jusqu'au bout. Et ça, c'est beau. Bon allez, les armées transfuges, là, amenez-vous. On va voir ce qu'il y a dedans, tiens. Qu'est-ce qu'il y a là-dedans? Mais c'est de la merde! C'est de la merdasse! Ah, merde, elles vont se barrer. Elles vont se barrer, en fait. Mazdamundi, toujours pas tracassé par ce qui se passe. Hein. On tourne à moins 14 000 balles. Demon Prince. Ici, est-ce qu'on traverse? Bah ouais, on va y aller là. There shall be ruin. The demonic host. Ok, comme ça, prochain tour, on reprend. Comme ça, je peux me reformer encore un peu. Prochain tour, je prends la mer et je vais leur mettre un petit peu le bordel en ultuant. Katep, notamment. Il s'en sort hein, dans cette campagne, mine de rien. J'arrive pas à le détruire depuis... Enfin, je me focus pas beaucoup... Enfin, je suis pas beaucoup focus sur lui, hein, faut dire, mais bon. Bah, Katep, c'est pas mon objectif, de toute façon. C'est pas mes objectifs de campagne. Hein. Ni Katep, ni Ultuan. C'est Setra, l'objectif que je vise, donc... c'est vraiment détruire ce qui reste à Setra. D'ailleurs, il lui reste, on dirait bien, une poche, ici. Et puis, c'est tout, hein. Les vassaux sont efficaces en ultuant. Bah ils envoient beaucoup de force là-bas et du coup ultuant effectivement doit mobiliser beaucoup pour pouvoir les sortir. Ah non, portée de déplacement moindre, c'est non. Mais qu'est-ce qu'on a là-dedans? Oh ouais, c'est pas terrible ça. Demon Prince of Khorne. Ah mince, la mise à l'eau m'a bouffé toute ma portée de déplacement. Comment ça? Et je pouvais pas passer par le port? Ah ben non, on peut pas passer par les villes alliées. Je suppose qu'ils se sont barrés, les armées transfuges. Évidemment que oui, ils vont pas venir m'affronter. Ils vont jouer la savonnette pendant 14 milliards d'années, comme font toutes les armées transfuges. Ils ont rasé l'hôtel de Kane. Ah bah oui, non, mais ils se sont... Ah ouais, non, ils se sont implantés. Ah oui, mais effectivement, avec Sigvald, il y avait Belacor qui poussait, mais maintenant, il y a Sigvald qui vient en plus. Effectivement, parce que Sigvald, il était occupé contre Daniel, mais Daniel, il est mort. On a été le remettre dans le droit chemin de la vie éternelle. Donc maintenant, Sigvald, il vient avec les autres en ultuant. Donc là, on a Sigvald. On a un petit peu... ouais, on a un petit peu Trog. Et Belacor. Plus un vassal supplémentaire Norse de temps en temps qui se pointe, histoire de servir les glaçons à tout le monde. Mais Belacor et Sigvald, c'est quand même plus sérieux comme armée ce qu'ils font. Hein. Regardez ça, c'est pas trop mal.
Donc, effectivement, la pression sur Ultuan est beaucoup plus forte. Et comme ce ne sont pas des nains, ils ne savent pas gérer la pression. Si je chope pas les armées transfuges, mais ils sont en marche rapide, mais j'ai pas la portée. Ou alors j'ai pas bien vu, mais Non, j'ai pas la portée. Juste pas, mais Ah si ! Ah, je croyais que j'étais juste derrière. De toute façon, vu la tronche de leur armée, même avec une seule des miennes qui serait à portée, c'est ok. Bim, les deux en... Ouais, bah ça fait... Ouais, ok, ça fait des chocs à pic, c'est bon. Pile poil. Il leur reste une petite armée, mais pas grand chose. Bah par contre, elle, je sens qu'elle va partir se planquer. C'est vraiment pas ouf non plus le fonctionnement des armées transfuges dans le jeu. C'est un truc qui aurait pu être mieux fait. Gorok est venu s'installer là ? Ah ouais ? Ah, ils s'emmerdent tellement en lustrie, les hommes lézards. Ils viennent jusqu'ici. Alors, on a Kassabar d'un côté. Ah, le double clic. Ah, elle va récupérer Qatar. Ça relève des armées en grand nombre. On va esquiver un peu le truc. Ah ouais, ça relève des armées partout. Après, si ça relève des armées dans la précipitation, souvent c'est des squelettes et des trucs comme ça. C'est pas dangereux, quoi. Je peux donner ça à Grimgor cette fois. Ah non, les marais! Les marais des morts. Oh, mais ça, c'est Kalidar. Il est toujours pas en guerre contre elle? Oh, Grimgor. Ah ouais, non. Non. Sois pas en guerre contre Kalidar. On s'en fout de Kalidar. Effectivement. Bah ouais, non, vas-y. S'il envoie des armées à Myrmidens... Ouais, ok. Ah ouais, là aussi. Là aussi, il a encore tout ça. Dans ce cas... On va envoyer Kalida là-bas. Ah, le marais, c'est tellement relou. Je passerai par ici ou vers le bas? Non, vers le bas, c'est encore pire. Bon, vers le nord, je pense que c'est encore mieux. Et après, je vais partir vers l'ouest avec elle. Comme ça, je vais choper ce qu'il y a là-bas. Par contre, faut espérer que ces deux armées-là s'en sortent. Demon Prince. Lord of Court. They will be dominated. Do not displease me. C'est si chiant, ça pop au milieu de ton territoire, ça pille et déclare la guerre de toi après. Ouais, c'est pas très très bien implémenté comme truc, mais je pense que quand Creative Assembly les a fait, si je me souviens bien, il les avait un peu présentés comme des... Ah bah qui veut là, tiens. Il les avait un peu présentés comme des opportunités, enfin en fait, eux je crois qu'ils les voyaient plus comme des espèces de factions neutres qui apparaissent et avec lesquelles tu peux engager de la diplomatie, un peu comme si c'était des mercenaires et que tu puisses, moyennant une somme d'argent, les rallier en fait. Mais au final, bah ils sont juste chiants. Parce qu'effectivement, ils popent au milieu du truc, donc ils débarquent de nulle part et puis ils finissent de toute façon par te déclarer la guerre. Enfin, surtout en légendaire. Peut-être qu'en niveau de difficulté en dessous, c'est un peu plus gérable, mais... Donc au final, bah, dès qu'ils apparaissent, il faut leur sauter dessus tant qu'on n'est pas en guerre. Parce que tant qu'on n'est pas en guerre, tu peux t'approcher d'eux tranquillement, ils vont pas se barrer. Tu fais semblant de vouloir négocier, tu agites une petite manne de pognon. Comme ça, ils débarquent et puis...
Et voilà, mais bon. Donc on passe un peu à côté de l'intérêt du truc, quoi. Taux de reconstitution des maraudeurs boosté, ça je vais dire oui parce que j'ai pas mal de maraudeurs qui sont justement en plein combat. Oh là là, toutes les armées qui font office de missiles téléguidés vers moi là de nouveau. Ah, y en a un qui est immunisé, l'autre pas. Je me retrouve un peu piégé là entre les forces de Kalida et les forces de Setra. Ça va pas être facile, on va essayer de se faire oublier le temps que les armées alliées arrivent. Non, non, tu longes les côtes. Ouais, allez, on va aller vers le pic blanc. C'est vrai que le nord d'Ultion est bien dans la merde. Il y a Wulfric qui vient aussi. Eh ben, on va aller se joindre à eux. Chance de succès d'une embuscade, on va prendre parce que c'est toujours bien, surtout pour affronter des Welfs. Allez, c'est parti. Donc on va... Bon, on va descendre de par la mer. Par la terre. À la voie terrestre jusque là et de là on passera en Ultion. Le bateau il va arriver à la fin de la campagne. Bah disons que la fin de la campagne c'est pas pour tout de suite hein, vu le nombre de colonies de Setra et le temps que ça prend de ramener toutes les armées là-bas. Ah merde, j'ai pas bougé Valkia du coup. Dark Princeling. Quoi? Ils m'ont pas vu? Transfuge. Ah ouais, si, bah tant pis pour elle. Oh, les vassaux ont qu'à s'en charger, il restait rien, quoi. Mais ouais, mais t'as raison, les vassaux sont juste foutus de se faire submerger par une armée. Submerger? Ils sont trois! Ah ouais, Qatar a pas pu se défaire. A pas pu se détruire. Va falloir. Ah oui, c'est Kalida. Bon, c'est pas un drame, ça. T'as combien d'armées à ce niveau de campagne? Pas assez! Je sais pas combien j'en ai en tout, mais... En fait, toutes mes armées devraient être dans les terres du sud, en théorie. Puisque c'est mon objectif, là-bas. Mais c'est pas... Pas évident de les envoyer. La Confédération Kalida Setra, je la vois venir. Ah non, hein. Ah non. Non, 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 non. Ça, je suis pas d'accord. Bah, Kalida, elle a pas tant de cités que ça, en fait. Ah ouais, ils m'ont pas vu. C'est bon, ça. Ah, ils doivent être en train de rager à en péter leur clavier là. Mais c'est une foutue armée de merde, toujours se planquer à sortir de là. Voilà, voilà, si on jouait en campagne versus, là ça fait un ami en moins. Voilà. Là c'est fini. Vous voyez? The demonic host.
mortifying act. The gods. Fais gaffe à ton économie. Ouais, je gère mon économie, t'inquiète. Elle est gérée l'économie. Ah, ils arrivent enfin eux. Coucou. Chaos. 3000 allez, on va toujours les prendre. De temps en temps, faut bien les prendre, justement, pour faire comme si l'économie était dure à gérer. Mais c'est vrai, faut faire gaffe. C'est vrai que je n'ai que 60 000 de réserve, je commence à hyperventiler là. Pas l'habitude. Des trucs ici? Allez, on a besoin de vraies armées. Ok, on va pouvoir pousser par ici. Antok, bagarre. Ouais, ça va. Donc là, les deux armées qui sont là, il va plus falloir qu'elles remontent un peu vers le nord, vers Qatar, la source de la vie éternelle, Khemri. Et les trois autres vont arriver dans le bas. Bon, on va prendre un tout petit peu de dégâts avec Valkia. Il n'y a pas le choix parce que là, dans les terres du sud, il va y avoir des trucs un peu relous. Faut avancer jusqu'à Myrmidens. Toi, tu vas par là. Ah. Oui, pourquoi il faut pas se tracasser de la faillite. Oh, il y a des forestiers. Et bah alors. I have risen. You won't get a moment's peace. Beyond even Quaish. Ouais, c'est pas ouf comme armée ça. Je crois pas qu'ils puissent me vaincre. Par contre, ça va attirer un petit peu leurs armées jusqu'à moi, je crois. Et les vassaux vont être. Vont être un peu plus tranquilles, sachant que j'ai les autres armées qui arrivent. Honnêtement, je crois que je pourrais tourner à... Surtout que là, attention, j'ai deux armées qui servent quasiment... j'ai deux armées full avec des belles choses dedans d'ailleurs. Qui servent quasiment à rien depuis un bon moment. C'est elle courait après les armées transfuges et tout. Mais regardez l'autre armée transfuge, elle est partie dans les montagnes, c'est bon. Hein. Les vassaux n'ont qu'à gérer ça. Mais quand elles vont arriver en Ultuan, bah là elles vont servir à quelque chose et la moula va rentrer. Il suffit de deux batailles et je gagne assez. Hein. Donc c'est ok. Hein. Je pense que je pourrais tourner à moins 20 000 que ça passerait. Ah, ça se défend là. Attends, ils attaquent quoi là? Ah non, c'est pas la ville. Oh, il y a pas mal de trucs un peu... Ah, il y a un nécrosphinx notamment. On a des tombes, après j'ai beaucoup de magie, deux mages d'ailleurs, un du métal, un du feu. Merci Adventure Chasing pour les 17 mois. Ah, vous voulez un petit pari là? Fait longtemps. Bah, la difficulté c'est quand même que je suis avec beaucoup de maraudeurs. Ok, les renforts arrivent vite. Such is chaos. I bring a tempest. Ouais, cette armée-ci, elle a pas de ligne. Demonhood is mine.
Par contre, il y a quelques monstres, hein. Il y a pas deux fois le même truc. Ah si, il y a deux buveurs de sang. Chaos Lord. Lord of Chaos. Face me if you dare. Et là, il y aura une arche et une catapulte. D'accord. Combien de temps? Une minute, bah comme moi. Est-ce que j'y vais avec les persos? D'ailleurs, on va prendre les meilleurs persos pour y aller. Je sais pas si c'est une super idée ça. Est-ce que j'ai du soin pour tout ce petit monde? Ah ouais, il y a ça. Ah, faudra le claquer au bon moment. Lui, il a du soin, tu peux déjà le boire. Oh, j'ai envie de plonger dans la mêlée. Ah ouais. Il va se faire ouvrir si je plonge dans la mêlée, non? Bon là, en tout cas, on est planqué. Warrior Dame qui est full life aussi. Ouais, voilà, si tu peux déjà défoncer la catapulte, je ne dis pas non. Bon, j'en ai, hein, des vents de magie après. Ça, ça coûte combien? 8. Ouais, non, ça va pas être efficace. Recule par contre, parce que je suis en train de me faire focus par je sais pas quoi. Ah bien ça. Allez, battez-vous. Il va lui filer un coup de main. Ils ont quand même envie de venir engager mon armée en fait. Ils veulent pas... Ils veulent pas faire autrement. Ce qui m'arrange parce que pour l'instant l'engagement est pas mal... Pas mal en ma faveur d'ailleurs. Toi tu restes comme ça. Attends, le Sigor, tu viens là, que je vois ce que tu fais. Allez. La blob ou pas? Bah non. Oh là là, le sphinx qui débarque. Ok, là il y a un perso qui va tomber déjà. C'est bon. C'est quoi ça? Scorpion, il y a un truc aussi, un géant d'os. Ah
Non, ça bouge trop, ça. C'est bon, ils vont s'en occuper assez vite. Un peu bordélique. Ça c'est pas ultra efficace, mais... C'est compliqué avec ce genre d'armée. Trop de trucs différents. Donc à gérer, c'est pas facile. Attends, viens mettre ton pendule, toi. Aïe. Aïe, aïe, c'est quoi l'arche? Elle est où? Gardien des tombes. Mais non, défoncez-moi ça! Ah, un buveur qui vient de faire un AVC! Terrible. On va tâcher de... Voilà. Avec le sort qui fait 40% de dégâts supplémentaires. Voilà, ça devrait faire... Ouf. Oh ! Ah ouais, mais il prend des coups aussi du Shaggoth. Ah mais je crois qu'il a quand même... Il a quand même pas du tout apprécié ce qui s'est passé là. Leur gardien Halbard, il me saoule. Bon vas-y, le géant d'os, en fait on s'en fout, il a pas la ligne de vue, tout se passe dans la forêt, donc c'est bon, il peut pas m'atteindre. Ça va le faire. Attendez, on va essayer de pas tout perdre. Ok, charger les deux dos. Ouais, oh, mais ça pour les engluer, tiens. Pas une bonne idée, ça. Ah, voilà ce qu'il faut. Tuer ceux-là qui sont une menace. Je vais perdre pas mal de maraudeurs, je crois. Repars. C'est bon, leur morale vient de prendre un coup. Ils s'effondrent. C'est bon. Ouh, c'était chaud celui-là. Heureusement que j'ai un bonus de reconstitution des maraudeurs. Ça va faciliter un peu les... Aïe! Une boule de feu qui se lève entre les arbres. Ponks! Joli. Mais putain, encore ce braquage! Non. Non, vous m'aurez plus avec ça, vous m'aurez plus avec ça. Ce truc, Twitch déconne avec ça. Dès que je veux mettre une prédiction, par défaut, il la met en 5 minutes de choix. Alors du coup, à la fin de la bataille, forcément,
Vous faites votre petit choix et vous vous mettez bien. Non. Quinze minutes. Putain, mais pourquoi il met ça par défaut maintenant? Oh là là, va falloir se déshabituer aux habitudes et se réhabituer à de nouvelles habitudes. Qui ensuite devront se déshabituer et se réhabituer avec un changement nouveau. Oh, ça a fait beaucoup de... Ça a fait beaucoup de pertes, ça. Enfin, monsieur, je vous permets pas, ce sont des choix fiscaux tout à fait respectables. Il n'y a rien d'illégal. Oh, collègue. Je crois que je vais dire oui à tout, histoire qu'il me... Foutez-moi la paix, parce que sinon ça n'arrêtera jamais. Non, pas les rejoindre la guerre, par contre. Ouais. Bah, il va quand même me demander de rejoindre la guerre contre 1 milliard de personnes de toute façon. Mais des investissements chez Chaos Corp. Bah oui. Sûr. Merci Takeda pour les 14 mois. J'aime le fromage rouille, il est excellent. Ah. T'as raison, fallait venir partager ça. Un bon petit fromage, ça fait toujours plaisir. Mais quel genre de fromage, d'abord? Qu'est-ce qu'un pont suspendu? Ouh, ouais, on a pris cher. Tac, tac. They will be dominating. Destruction for all. Je trouve que finalement, les maraudeurs, même en fin de campagne... Ah bon, après, on est sur du roi des tombes, c'est-à-dire une faction qui est quand même... qui est quand même pas nécessairement une infanterie de ouf. Même en fin de campagne, ils sont pas non plus les plus résistants, quoi. D'ailleurs, non, c'est pas bon. Ah si, c'est bon! Oh là là, félicitations. On va en prendre 3 à bouclier. 4. Hein? Ah, rang 5, d'accord, il y en avait que 2. Oh, j'y ai cru. Et du coup ici, ah bah non, dommage. Oh, il y a encore des renforts qui arrivent, hein, terrible. Ouais, par contre c'est un peu moins... Oui, il y a un... Il y a un hiérotitan, bon. Allô, Valkyr. Valkyr the bloody. Hell follows me. Ouais. Ah, et notre ami, ça c'est quand même pas une armée, c'est loin d'être une armée que l'ennemi va pouvoir se permettre d'ignorer quand même. Belle petite armée aussi ça. À part que je devrais peut-être virer les déchus, qui font un poil de tâche dans le truc. Ah, il y a un peu de tout en fait. Il y a trop d'unités différentes de nouveau. Enfin bon, on la renforcera petit à petit. Ok, bah on est en face. Il n'y a plus qu'à traverser, je vais quand même devoir passer deux tours en... Un tour d'attrition, mais ça c'est bon. En fait ça va en passant, faut vraiment longer les côtes. Mais du coup faut le faire en manuel. Parce que si on lui demande d'y aller tout seul, il va faire n'importe quoi. Il reste encore des armées qui doivent bouger.
Princeling. Ah ouais, mais je pourrais me barrer en fait. Oh. Oh non, le double clic. Bah oui, c'est beau ça. Merci Maestro 6-0 pour les 18 mois. Imagine un MMORPG extrêmement complet, un peu comme World of Warcraft, mais en Warhammer avec la même map que le... Les 3 Total War Warhammer avec toutes les races, j'en rêve. Ouais, mais d'abord Total War 40k. Après, si vous voulez. Plus tard. Eh ben, va pour Antok, toi. Merci Neosmog pour les 4 mois. Plaisir d'absorber le seigneur... Quoi ? Absorber les seigneurs du chaos avec Archaon. Ah oui, Archaon, c'est un peu, les Pokémon. Est-ce que je me barre ? Bah oui. On va regrouper toutes nos forces. Les 5 armées au même endroit. La folie. Allez, débrouillez-vous. Voilà, on est prêt à enfoncer le territoire comme Jaja. Ça marchera pas, ils vont le prendre avant. Bah on va remonter avec toutes les armées en fait. On va faire un bloc et tout défoncer. Moi j'attends Medieval 3 depuis 35 ans. Bah je joue la Bretonie. Ça c'est... Je crois que c'est la plus grosse gifle qu'on puisse mettre à un fan de médiéval. C'est bon, il y a une faction. En plus, elle est très bien. Ah, c'est la pire. Qu'est-ce qu'il y a ? Non. Mais oui, à Warhammer 3, un médiéval 3, moi je prends, j'achète. Tout de suite. Sur un nouveau moteur alors, hein, pour moi c'est le... C'est la condition sine qua non pour que ce soit vraiment intéressant. C'est sur un nouveau moteur. Et qu'on voit ce que le nouveau moteur a dans les tripes. Mais c'est clair que je suis preneur aussi. Mais je suis vraiment curieux de voir comment va évoluer la licence Total War. Et particulièrement le milieu du streaming ou de YouTube autour des Total War après Warhammer. Donc c'est-à-dire le prochain Total War historique majeur, parce que Warhammer 3 est censé être le dernier Total War Warhammer. Et même s'il y a un 40k, bah, ce ne sera pas avant des années. Donc on va passer dans une phase un peu plus équilibrée entre l'historique et Warhammer. Et du coup je me demande vraiment... ce que ça va donner avec avec le mélange des deux et le fait que est-ce que les gens sur un Total War historique avec nouveaux moteurs et tout, est-ce qu'ils vont être autant hype que qu'un Warhammer et tout, je sais pas. C'est bon, tout le monde est là? Ah bah non. On attend le petit dernier. Voilà. Exalted of Korn. Kalida est dans les montagnes. Oh non, 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 elle est pas en train de recoloniser ça quand même.
Demon Prince. Porte de l'aigle, non. Thorn Rock, par contre. Pas grand chose. 14 unités en garnison, c'est pas avec ça qu'ils vont arrêter ce genre d'armée. Non, cette armée-ci, elle est vraiment solide. Pensez à vous hier soir, première raclette de la saison avec Tom de Savoie. Oh oui, c'est vrai, c'est la raison, c'est la saison des raclettes. Oh, faut. Oh non, mais c'est la meilleure. En vrai, l'automne, c'est la meilleure saison de tous les temps, hein. Vous savez pourquoi? C'est le moment où se croisent les barbecues et les raclettes. C'est-à-dire que pendant un instant, on peut faire les deux. Show me blood. I'll make it brutal. Est-ce que ça, c'est pas un peu le meilleur des mondes? Il y a le printemps aussi. Ouais, ouais, mais je sais pas, l'automne, c'est mieux. Ça marche très bien la raclette toute l'année. Oui, oui, je suis le premier à dire qu'on peut manger de la raclette toute l'année. Mais bon, en été, faut aimer transpirer, quoi. C'est tout. C'est un peu obligatoire. Faut aimer suer. M'en fous, je fais les raclettes le 15 août à 35 degrés. Voilà, comme ça. Oh, j'avais vu. Vous avez pas vu ça passer un restaurant. J'avais vu un reportage là-dessus. Un restaurant spécialisé dans les raclettes en pleine canicule, et ils étaient allés voir ces gens-là, évidemment, faire un petit reportage d'ordre culturel, et ils filmaient les gens dans le truc. C'était bondé, hein. Les gens s'enfilaient des raclettes par 40 degrés, c'était bondé, mais t'avais l'impression que tout le monde était sous la douche. Oh putain, le truc, tu t'en approches, à mon avis, à 15 mètres, tes narines se retroussent déjà. Il doit y avoir un espèce de mélange des odeurs là-dedans. Ça doit être très festif. Ah, c'est une découverte d'essence, hein. Y a pas de problème. De sentir le poney. Mais les poneys n'y vont pas. C'est ça le truc. Entre la sueur et le fromage. La raclette c'est surcoté, les vrais savent que la tartiflette est au-dessus. Pff. N'importe quoi. Les vrais savent qu'on prend les deux, cher ami. Et on ne fait pas de classement. Et on apprécie les deux à leur juste valeur. Les vrais. Pff. Et ça se prétend être un vrai. Et ils renonceraient à l'un sous prétexte que l'autre serait meilleur. N'importe quoi. Alors que la raclette rajoutée sur une tartiflette. Ah. si on demandait toujours plus. Imric est mort. Ah. Qui a tué Imric? Alors attendez, parce que là on va pas débarquer chez... Ah voilà, on va longer la côte jusqu'à Sudenburg. Merci Shrilak pour les 8 mois. Le gras c'est la vie. Oui, mais si on peut mettre du gras sur du gras. Est-ce que c'est pas deux fois la vie? Tu vas où, toi? Viens, va jouer un jeu. On veut une tier list des places à voyager. Bah, tous. Oh, à la limite, la choucroute. Moi, j'avoue que la choucroute... j'ai un peu du mal de le classer parmi les autres. J'ai du mal de l'apprécier à sa juste valeur, tu vois. Pour moi, la choucroute, c'est plus un plat... humoristique. Si, c'est une blague, en fait. c'est plus... voilà, c'est... Ouais, c'est ça, c'est... T'as mangé quoi hier? Ah voilà, c'est voilà, tout le monde est plié, c'est ça qui est... c'est un peu ça l'objectif, je pense. Non mais le mec qui a inventé ça, je crois qu'il avait un projet. Et c'est assez clair.
Mistress of Skulls. Le trigger ultime. Tu peux avoir un truc, Valkia? Ah, ben voilà. I demand absolute fealty by my black will. Ah, Valkia va pouvoir s'occuper de ça. We have time in abundance. C'est malin, j'ai envie de raclette. Mais il faut pas avoir honte. Thornrock qui se fait attaquer. Oh, les deux là, c'est des stagiaires. Eh, fous le camp, Katep. Et voilà, j'ai envie de manger. Bah, faut dire qu'il est 17h aussi. Ouais, voilà, des stagiaires tout neufs. Mais c'est ça qui est bien avec les stagiaires. T'en as qui s'en vont, t'en as déjà une armée qui sont prêts à prendre leur place. Never. Porte du Griffon, ça par contre c'est solide. Hein. Ils sont en train de bourrer les armées. Ouais, ils se focusent beaucoup plus sur moi. Ah bon, mais bah dis donc, Ultuan, c'est... Tout le monde y est. Hein. C'est la bagarre à Ultuan. Attends. Ah ouais, il y en a plein qui débarquent. Oh là là, il y a des armées. Oh, on vient de loin hein, pour venir visiter Ultuan. Hein. Ah ouais, de très loin même. Bon, je veux juste faire gaffe avec ce groupe d'armées là, hein, qu'on se fasse pas. Se fasse pas dégommer pour rien. Yes, it is so. Your wretched flesh will suffer on. Faire ça, j'attends Halloween avec impatience, c'est ma fête préférée. Oh, moi aussi, j'adore le capitalisme. Ouais, c'est marrant. Ça nous fait des points communs. Moi, j'aime bien qu'on me donne des raisons de consommer des trucs, c'est... je culpabilise moins. Je préfère comme ça. D'ailleurs, on devrait en appeler une comme ça au moins. La fête du capitalisme. Comme ça, ce serait un peu plus clair. Attends, mais ça c'est... Ouais, on devrait renommer le Black Friday le Capitalist Day. Ce serait quand même mieux comme ça, non? Genre Noël. Ouais, non mais Noël, c'est... Noël, c'est encore un autre délire. Mais qu'est-ce que... Oh mais quel... Ah, chez Valkia? Ah, vraiment? Vous voulez qu'on s'affronte comme ça avec ça? Saint-Valentin, oh pff, voilà, Saint-Valentin, elle a jamais existé. Des os, pas des os, je suis pas au courant. Les armées maritimes qui s'énervent très fort en fin de campagne parce que... Elles savent pas ce qu'elles font là. Elles ont une crise existentielle en fin de campagne. Ils savent pas quoi faire. Si on est dans ce jeu, on doit bien servir à quelque chose. Ah ouais. Ah, comme un pot de fleurs dans une maison, quoi. C'est pas inutile. Ah, on est loin, là, avec les massacreurs. C'est beau, mais c'est loin, hein. Oh là, oh là, oh là, et... Il y a quand même une grande zone de déploiement. S'ils se déploient... Oh, s'ils se déploient tous là, c'est vraiment des raclures. Pas de chance. Rechaînez. Là, par contre, faut vraiment arriver avec eux très vite.
Attends, toi tu vas là, toi tu vas là, toi tu vas là, toi tu vas là. Ah! Oh, ça va être si lent. Ah! Ah! C'est pas des squelettes! Attends, toi tu charges ça, toi tu charges ça. Vous deux vous faites le tour. Ah oui, il invoque! Parce que là faut les calmer tout de suite. Bon Valkia, ça va? Allez, 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 on force le passage. Non, qui est-ce qui a pris cher comme ça? Non! C'est... Non! Je refuse! I refuse! Ok, on fait moins les malins au corps à corps. Hein. Tueur de géant. Ah ouais, 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 attends, attends, attends. Attendez, non mais excusez-moi. Non mais c'est-à-dire que je pensais que j'allais devoir affronter un adversaire puissant. Vous êtes amis les Bretonniens? Non, c'est pour... Pour savoir. Oui, ils ont cru qu'ils pouvaient avoir quoi, eux. Voilà, ça vous fera les pieds. Non mais toi, sors de là, c'est bon, attends, Valkia, reviens un peu. Oh, on peut avoir ça. On peut avoir l'épée. Ah, j'aurais pas le temps. Dommage. Il y avait un petit blob à faire sauter là qui était sympathique. Tiens, ça leur mettra un petit coup de fouet pour courir. Quel dommage. Oh, pleurez pas, vous allez avoir une faction toute neuve dans 40k, c'est bon. Vous serez pété dans Total War 40k, c'est tout. Ah ben non, il faudra plus vendre le codex, donc non. Pardon. Pas le pire spell du jeu en dégâts, de quoi? Le... l'épée de Kane? De Korn? Bah c'est pas un spell, c'est pas de la magie. Enfin. Comment ça le pire spell de la magie, j'ai... ce sont des compétences martiales. Oh, 14% de reconstitution par contre, pas mal. C'est le Tarion, c'est pas comme si... Et le Tarion, c'est un chewing-gum sur ma chaussure aussi. Hein. J'ai l'impression que toutes les 15 secondes, j'essaye de frotter par terre, mais ça marche pas. Il reste. Mais qu'est-ce que tu fais là toute seule, toi? Par contre, je vais peut-être bien opérer un repli stratégique. Hop là. Petit repli stratégique. Hop. Il y a un peu trop d'armées qui traînent autour.
Et pendant ce temps-là, on est prêt à débarquer là-bas. Merci Maladec pour les 2 mois. Combien il lui reste à cette rade de colonie? 20. Mais c'est pas possible, ça descend tellement lentement. Aïe, pépé. Et je dois affronter tellement de ces armées les unes après les autres. Ça vous rappelle pas une image sur internet? Demon Prince. Ça ressemble un poil quand même. Moi, ça me rappelle un truc. Et encore, c'est pas Azazel parce que honnêtement. Attendez, parce qu'il faut que tout le monde profite de l'XP là. Tout le monde a le droit de partager cette expérience. By my demonic hand. Into darkness. C'est bon, tout le monde est là? I'll make it brutal. I'll make it brutal. ouais, je pense que c'est le terme, ouais. Ok. 7000 balles de revenus. Bon, ça va faire pas mal de pex pour tout le monde. La lame de séduction. Vitesse moins 15% de zone permanent. Ouais, ok. Du coup, attends, parce que là... Ouais, toi, tu vas avancer par là. Moi aussi. Ah, oh, dites-moi qu'il y en a un qui a encore la portée pour aller. Ah non. Ah bah si, lui. Ah là, ça fait pexer tout le monde. Voilà, t'occupe comme ça, on peut régène un petit peu tout ça. Sauf évidemment ceux qui sont en plein désert. S'approcher des routes. Voilà. Voilà, prochain tour, on est prêt à partir sur bagarre. Ah, il y a Tlaka aussi où il va falloir aller. Bah, de toute façon, bonne chance à eux pour récupérer ça. Hein. Ça peut s'upgrade ça? Ouais. On va prendre quelques halbardiers, tiens. I have risen. Non, là pas encore. Chaos incarnate. Non plus, hein. Oh si! Yes, I will. Parfait ça, hein. Parfait, parfait. Ça pexe, ça pexe. Ça fait plaisir. Ici, non, 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 non. A glorifying act. Ouais, tempête de feu, c'est pas comme si je l'utilisais souvent. Tempête de la... Colère de la ruine, attaque magique, puissance des armes, taille de l'aura de commandement, effet sur le commandement, autorité, armure. Ouais, allez. Après, ça va de nouveau faire pas mal de trucs autour qu'il va falloir défoncer.
Par contre, ce qui est bien, c'est que tout ce qui est rasé, vraiment, définitivement, ils n'arrivent pas à aller les rechercher. Hein. C'est impossible pour eux. Ils savent éventuellement aller récupérer une cité que je laisse derrière moi, mais le reste, impossible. Allez, salut les nains. Hey, sans rancune. Ah là, ils doivent être en train de ronger le gouvernail de leur bateau. Merci Michardou pour le Prime, bienvenue. Maladec, merci pour les 2 mois aussi. Pour une fois, je sors de YouTube et viens regarder le Sacro-Saint live. Allez, bienvenue. Ah, c'est vrai que ça, c'est un peu le taunt ultime pour les nains. Eh, hey, sans rancune, hein. Ah, ils en peuvent plus, là. Ils veulent déposer une plainte. Oh merde, j'ai vraiment rigolé. Je me sens sale. 3 pages directes dans le livre. Ouais, rajoutez ça au reste. Allez, viens Mazda, viens. Ah ça y est, il a compris. Il a compris. Non mais il est plutôt sage pour un crapaud. Hein. Il a compris que le monde était en train de courir un grave danger. Il a pigé. Merci l'elfo-pomme pour les 7 mois. Bonjour et merci pour le fun. Mais avec plaisir. T'es en live depuis combien de temps aujourd'hui? Bon, depuis ce matin, 9h. Valkyatinal à 17h et j'ai dormi longtemps. Merci Siders pour les 15 mois. Aussi mutation au service de nettoyage des crânes. Ah, là on manque toujours de personnel. On ne sait pas pourquoi, ils n'aiment pas. J'avais les orques en vassal, sauf que quand il y a eu une invasion orque, j'ai eu une armée à côté d'eux, j'ai perdu. J'avais une armée à côté d'eux. Attends, quoi? Genre, attends, dans ces cas-là, ton vassal, il devient... Il fait partie de l'invasion? Il se rebelle contre toi automatiquement ou pas? Là, ça m'intéresse de savoir ça. Il aura fallu quand même 216 tours pour réagir, Mazda. Ouais, mais tu vois, il comprend vite. Hein. Non, mais on dirait pas comme ça, mais... C'est un sage. Oui, il s'est rebellé. Oh, même les vassaux, il y a vraiment rien qui protège des invasions, en fait. Enfin, qui protège. Qui empêcherait... Qui les empêcherait de devenir comme ça, quoi. C'est violent, quand même. Hein. Donc, cette armée-là va... Oh, bah voilà, une de plus. C'est vrai, on manquait un petit peu de troupes hein, dans cette région. Alors, on va envoyer 2 armées ici. Surtout qu'ils vont avoir du renfort au nord avec l'armée qui arrive à Sudenberg. Ah! Ok, on va renforcer autour de Bagar une fois que ce sera pris. Bon, évidemment que là, on va occuper... Bon alors si on en est là... Fais voir, beaucoup de squelettes... Ok. Ouais, faut aller à la plaine des défenses quand même tout de suite. Au moins avec une armée quoi. Ah, oh, c'est pas vrai, il y en a partout. Destruction for all. Destruction awaits. Alors toi, remonte un poil histoire d'être près des autres. Attends, reviens alors. Faut les laisser venir attaquer. Bah alors là par contre, un blob pareil contre le leur. C'est moi qui gagne.
Ouh, ça, ça sent le buveur de sang qui... Ah non. Du chevalier du Graal. Eh bah ben, dis donc. Bah revenez quand vous aurez une vraie cavalerie. Oh, je suis désolé, je suis taquin cet après-midi. C'était pas ma faute. Ça parlait de tartiflette. Ça parlait de j'ai perdu mes moyens. Je m'excuse à tous les Bretonniens qui ont été offensés. Je devrais peut-être... Ah non, 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 j'allais dire, je devrais peut-être détruire Antok, mais non. Attends, comment ça, il peut pas avancer plus? Il s'est pris un machin? To the skulls. Even demons have limits. Pas pourquoi je me... Pourquoi je vais aller en ultuant avec ces deux armées là? Bon si, en vrai, ça... Ah, des sous. Ah oui, c'était ça le projet. Des sous. Bon, surtout que... Fais voir l'état des troupes, ouais. Ouais, 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 quand même. Quand même, quand même. Ça peut pas évoluer, ça? Ah. Élu à Hallebarde. Pourquoi des élus à Hallebarde? Parce que j'ai le DPS avec ça derrière et que du coup, de l'anti-large serait plus intéressant, surtout face... Face à du machin. Quoi? Ah, les élus peuvent devenir des aspirants champions au niveau 1? Ah d'accord, on s'en fout de leur niveau pour devenir des aspirants champions. Oh. Ok. C'est pas ça. Merci les nanes de Malchur pour les 9 mois. Merci beaucoup. Val du Whisky aussi, merci pour les 3 mois. J'ai retrouvé la dignité de la Bretonnie, elle est au fond du trou et creuse encore. Oh mais elle reviendra, vous en faites pas. Moi j'espère juste que Creative Assembly est en train de nous préparer une belle surprise pour la Bretonnie avec un rework gratuit avec des nouvelles unités et tout. Parce que je pense que la Bretonnie n'aura quand même jamais, à la base comme c'est un contenu gratos, qui n'a jamais rien eu de payant la Bretonnie, je pense qu'ils vont rester dans cette optique là. Et que du coup on aura un jour un truc gratuit, on aura gratuitement un bon rework de la Bretonnie avec des nouvelles unités incluses dedans. Laisser la Bretonnie en l'état, je pense qu'ils ne le feront pas. Ça, c'est très très peu probable parce que c'est clairement une des factions qui a le plus besoin d'un rework. Mais en plus, le faire payer, je pense pas, alors que tout a toujours été gratos. Jeanne était gratuite. Jeanne, c'est FLC. Hein. Ils sont gratuits à affronter. Mais oui, mais c'est moi qui suis... C'est une histoire de droit qui fait que la Bretonnie est gratuite. Il y a des histoires comme ça, mais je suis pas convaincu, personnellement. Pas particulièrement convaincu. Deathbringer. Regaining strength. Je crois que s'il y avait un problème de... S'il y avait un problème juridique à ce niveau-là... Enfin, on est quand même dans un jeu payant, intégré gratuitement la faction gratos dans un jeu payant. Est-ce que ça suffit juridiquement pour dire « Non, 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 ce contenu-là, on le fait gratuit !» Oui, mais il est quand même dans le jeu de base. Enfin, il est dans, inclus dans le jeu de base. Oui, mais gratuit. C'est-à-dire que si tu payes, tu as ça gratuit. Je crois que devant une cour de justice, je suis pas sûr. Donc cette histoire-là, elle me convainc pas à fond, quoi. Est-ce qu'il y a quelqu'un à Swedenborg? Il n'y a pas l'air. Ah mais du coup, ils sont barrés à la plaine des défenses. Ah ah, ils ne pourront pas gérer deux fronts à la fois.
Bon, alors là, par contre, je vais pas prendre le risque qu'il y ait une armée qui sorte du brouillard de guerre et qui vienne récupérer Antok. Vu que les ruines, ils ne vont pas les chercher. Oh, ils pissent dans leur froc! On va s'avancer de Sudenburg d'ailleurs. Ah mince. Avec deux armées, ça devrait suffire. Source de la vie éternelle. Je voudrais bien quand même splitter un peu les troupes. Hein. Undivided, unmatched. Tread the paths of chaos. Voilà, il y a une armée qui est en train de revenir. Ok. Kalida, Kalida. Bon, tant qu'il n'y a pas de confédération, c'est bon. Mais alors, dans le... Ah oui, dans le sud, il y a encore des trucs. On ira après. Ici, c'est bon. Plus que 17. Oh là, ça y est, ça diminue. Ça diminue, on voit le bout. Bah, surtout que là, j'ai suffisamment d'armées sur place quand même. Et en plus, des bonnes. Ok, reprends la mer, on va y aller. J'ai l'impression qu'ils font pas... ils sont pas prêts à me repousser ici. Myrmidens. Bon, on va juste continuer de le raser pour qu'ils viennent pas le reprendre. Pas plutôt parce qu'ils ont pas déjà épuisé toutes les unités bretonniennes de la V5, V6. Je sais pas. Surtout que la Bretonnie, c'est quand même les légendes arthuriennes et tout ça. En quoi adapter les légendes arthuriennes ou ce genre de truc poserait des problèmes de droit? C'est comme si tu fais un truc sur, je sais pas moi, tu fais un jeu vidéo sur, je sais pas moi, bah, n'importe quelle légende quoi. C'est comme si tu devais payer des droits parce que t'as mis des gobelins. Et qu'il existe quelque part des légendes sur les gobelins. Bah oui, mais non. À qui tu veux... S'il y a un jeu sur la légende d'Arthur, tu payes. Camelot, c'est pas gratuit. Bah oui, si c'est Camelot, si tu fais une adaptation de Camelot, mais si tu fais une adaptation des légendes arthuriennes, tu payes à qui? Qui aurait... À qui appartiendraient ces droits-là? C'est le genre de truc qui est dans le domaine public? Bah oui, je pense bien. Le Vatican. Tu leur dois des droits à eux. Bah ouais, c'est domaine public. Donc la Bretonnie, je vois pas à qui tu devrais payer des droits pour ça. Hein. Qui pourrait détenir les droits là-dessus? Non, ça tient pas la route, ce machin. C'est une légende. Alors par contre, que les choses soient claires, si quelqu'un veut faire un film sur la légende des légendes payantes dans Total War Warhammer, je prends les droits dessus. Qu'on soit clair. C'est dit, c'est signé. Vous pouvez faire un clip comme ça. On valide le truc. Et comme ça, la Chaos Corp se met bien pour les années à venir. Ça devient complexe. Mais non, c'est très simple. Mais la Bretonnie, ils l'ont fait gratuite en vrai parce que ils voulaient. Enfin, c'est un produit d'appel quoi. Pff, en même temps, la Bretonnie, c'est quand même le truc, je sais pas. C'est peut-être le sujet un peu plus délicat. Est-ce que c'est pour ça qu'ils auraient. Est-ce que c'est pour ça qu'ils auraient pas voulu en faire un truc payant? Je sais pas. Tu sais, avec ce qui s'est passé avec la Bretonnie à la fin de Warhammer Battle, ça a quand même fait de belles polémiques. A raison, hein, dire du jour au lendemain aux gens qui avaient acheté des armées bretonniennes « Salut, c'est plus jouable, ils n'existent plus, LOL !»
Ça a quand même fait une belle polémique, et du coup, c'est peut-être pour ça en fait qu'ils ont voulu se dire « Ouais, non mais la Bretonnie, on va leur filer gratos. » Comme ça, on évite de revenir avec ça. Non mais vraiment, il vaut mieux annoncer à des vétérans qui doivent retourner au Vietnam que de dire à des gens qu'on va leur faire payer la Bretonnie dans un jeu vidéo. Vous voyez ce que je veux dire ? Je pense qu'à un moment donné, ça passerait plus facilement, tu vois. D'envoyer des mecs de 80 ans retourner au Vietnam, je pense qu'ils auraient plus facile d'accepter. Est-ce que ce serait pas pour ça au bout d'un moment ? Peur de la polémique en fait, simplement. Je sais pas. Peut-être que je cherche trop loin. Ou simplement parce qu'ils se sont dit, bah on va faire... Ou alors ils ont fait une réunion brainstorming et ils étaient en mode, bon, ce serait bien qu'on sorte un petit contenu gratuit. Une petite sous-faction pas très importante. Que les gens ont oublié. Mais donc on pourrait ajouter gratuitement pour faire une espèce de produit d'appel. Qu'est-ce qu'on... Comment ? La bre... Bre quoi ? Ah, jamais entendu parler. Bah oui, faisons ça alors. Personne ne connaît. Bah très bien. Si ça se trouve, c'est juste ça. Merci Akira pour les 22 mois tier 2. Lord of War. The Khorne wins it. Khorne Command. Ils sont peut-être juste sympas aussi. Alors non. Non, je fais ça, je suis désolé de te décevoir, mais j'ai lu un expert Twitter qui a dit que non. Et que si tu penses ça, c'est parce que tu es lobotomisé. Il était très clair dans son tweet d'ailleurs. Donc non, désolé. Ça aurait pu, hein, mais non. Ah, voilà du monde prêt pour l'ascension. Qu'est-ce que je veux dans cette armée-là ? Ouais, il me faudrait du tanking quand même d'abord. Ça arrive encore, hein. Peut-être pas dû ne prendre que deux armées ici, parce qu'il y a un peu trop de trucs qui arrivent. Après, une fois que j'aurai atteint Noumas, par contre, on sera tranquille. Noumas et Qatar. Où est-ce qu'il est ? Noumas et Qatar. Attends. Statut diplomatique. Ouais, si je détruis ces deux-là, ça veut dire qu'après, ça ne pourra plus venir que de par là. Un peu par là. Mais bon, ça, on va pouvoir descendre. Ah, les couillons, ils arrivent tous. Mais ils viennent d'où, ceux-là ? Ah bah oui, c'est le gros groupe d'armées que j'avais vu avant. Ouais, faut que je fasse gaffe quand même à pas trop splitter mes armées. Valkia, elle avance ou ça se passe comment ? Merci Dead Indoril pour les 21 mois. Alors c'est le Vatkiatinal, ça se passe bien. Ouais, ouais, c'est... Bon, il va bientôt être midi. Dommage que t'as pas de vassal dans le sud. Bon, pour ceux qui font les vassaux, ouais, ils m'aideraient quand même un peu à envoyer des armées à gauche à droite, mais j'arriverai jamais à faire envoyer un vassal ici. Si j'avais quelqu'un... En fait... J'aurais peut-être dû pousser jusque dans les terres du sud et me trouver un vassal, mais enfin ça aurait été encore assez long. Ça aurait pris beaucoup de temps juste pour faire ça, quoi. Merci à Kidon pour les 3 mois. Il va bientôt finir la campagne de Valkia, on y croit. Bah là on voit vraiment le bout, hein. Il a plus tant de cités que ça, et puis faut pas oublier qu'à chaque fois que je lui envoie une cité, que je lui enlève une cité majeure, ça fait une capacité de production de troupes en moins, quoi. Ah, par contre, il n'y a rien à faire avec les pertes petit à petit. Il a quoi, Ushapti ? Encore une arche, mais il les chie, les arches, c'est incroyable. Nécrosphinx, Ushapti arc, géant d'os. Par contre, roi des tombes, ça s'écroule d'un coup, hein, par contre. Parce qu'à un moment donné, il n'aura plus de bâtiments pour pouvoir sortir des gros trucs.
Et il ne pourra plus faire que des armées avec remplies de squelettes, et là il ne m'opposera plus aucune résistance. Il viendra toujours avec beaucoup d'armées, mais c'est des armées qui se feront tellement rouler dessus qu'ils finiront... ils y arriveront plus, quoi. Ça va casser d'un coup. Ah, les dunes. Ah, ça, quel enfer. Je suis obligé de me mettre ici sur la partie un peu plus haute si je veux pouvoir utiliser les canons. Canon Apocalypse, un peu moins. Ça peut rester derrière. Ah, va falloir courir avec les guerriers, par contre. Bon, je vais sacrifier les chiens sans aucune hésitation si c'est nécessaire. Les déchus aussi, d'ailleurs, parce que ça se recrute facilement. Allez, faites le tour et allez choper le truc. Vous êtes beaucoup plus rapide. C'est pas vrai qu'il y a déjà des canons qui se sont fait sniper. Ok, par contre, ça arrive là-bas avec du mage. Ouais, faites ce que vous voulez, mais défoncez les catapultes. Petit peu haut, les rejetons, c'est pas trop grave si ça meurt. Allez, 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 allez. Merci Shinkai pour les 17 mois, tier 3. Merci beaucoup. À moi, ouais, j'ai plus d'idées. Ah bon? Ça arrive. Ah, le truc, il est en effondrement, il va mourir. Ok, ils ont eu le truc. Oh, le nettoyage des Ushapti a été plutôt rapide. Le canon, Skaven. Ouais, il va y avoir pas mal de pertes. Hein. Tiens, voilà toi. Ça, par contre, bah, y a plus vraiment d'endroit où je peux le balancer que ce soit intéressant. Pff, ce truc là, ils vont pas prendre grand chose. Ouais, non, ça prend rien. Enfin bon, il y avait plus de trucs intéressants, plus de cibles intéressantes de toute façon. Ouais, au moins ça survit. Ah oui, l'arche. Aïe 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 aïe, je vais avoir des pertes. Dommage, il y en a qui commençaient à être bien stuffés. Allez, défonce-moi ça vite fait. Qu'est-ce qu'on peut envoyer? Ah, mais la vache, tue l'arche, espèce d'idiot! Pourquoi il l'a lâché? Le mode garde, sérieux, il fait faire des trucs n'importe quoi. Alors, les canons Apocalypse, vous allez vous calmer. Ça va très mal finir. Voilà.
Ah, les chevaliers des nécropoles qui sont tenaces, hein. Mais ils ont une limite. Qu'est-ce qu'on perd? Un broyeur d'âme au moins. Voilà, il va y avoir des pertes. Si je perds les déchus, c'est pas grave. J'espère que les guerriers survivent, mais ça m'étonnerait. Les broyeurs d'âme, c'est pas encore trop grave parce que tous les X temps, j'en ai un qui revient. Et c'est recrutable instantanément, donc c'est pas grave. Les rejetons, il y en a un peu partout, donc c'est pas un souci. Les chiens, pareil. Chagot, pareil, j'en ai probablement. Oh, ok, ça par contre, ça redevient du guerrier. J'en perds deux. Ça va encore. Et là-bas, pas de perte. Ça va encore. Put these dogs to work. C'est quoi ça? C'est la ville, ça? Bah oui. Ah bon? Pleine des défenses. Ah ouais, il en revient encore de par là. C'est incroyable, les armées, ça n'arrête jamais. Encore deux armées ici. C'est ouf quand même. Hein. Il n'a plus que 17 colonies, Kalida, je sais pas combien. Elles reviennent quand même super vite, hein, les armées. Elles se reconstituent extrêmement vite. Hein. J'aimerais bien avoir la vue sur le brouillard de guerre pour voir une fois à quel point ça revient vite. En combien de temps il refait ses armées complètes? C'est incroyable à quel point ça revient rapidement. Hein. Je sais pas pourquoi je fais cette bataille-là, parce qu'en vrai, ouais, non, ça marchera jamais. Oh non, ils ont beaucoup trop. Non, c'est bon. Perte de temps. Ça me fait perdre une armée, c'est dommage. De toute façon, Roi des Tombes, c'est trop fort en campagne. Bah, en légendaire, toutes les factions reviennent très vite, mais les Rois des Tombes, c'est quand même une des... Rois des Tombes, vampires, ça reste parmi les factions les plus violentes pour ça, quoi. Tu peux détruire des armées, elles sont de retour full 3-4 tours après. Ah, je vais devoir aller récupérer ça. En toc aussi, j'ai pas eu le temps. Il y a des armées partout! Ah là là, même laisser... En fait, prendre une ville pour pouvoir reconstituer mes troupes, j'y arrive pas parce qu'il faut les démonter. J'ai même pas le temps de démonter, de raser la cité en partant. Puisque ça prend un tour et du coup, hop, ils ont quand même toujours une armée qui traîne et qui vient. C'est long de ouf à détruire! Pack de non-agré... Ah, pff, ouais, j'aurais dû dire oui, mais... En fait, l'objectif de victoire longue, victoire de campagne longue aurait probablement été plus court que ça. Merci vétéran démoniaque pour les 14 mois. À quand une campagne peau verte, c'est un enfer. C'est un enfer les campagnes peau verte? Lesquelles? Attends, parce qu'elles sont hyper différentes. Si tu prends Grimgor, qui est pas loin de Kate et compagnie, alors que t'as Azag qui est plutôt côté Empire et tout ça. Complètement différent. Elles sont très 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 différentes ces campagnes-là. Oh, ils sont en train de revenir de partout, c'est hallucinant. Ils ont de nouveau des armées qui se promènent partout. Ah, par contre, ça, c'est le genre d'armée que je voudrais voir plus souvent. Lord of Korn. Step forth and conquer. Rally to Korn's banner. Chaos is all. Seeking slaughter. Mais Khemri est à portée de main, là. Et après Khemri, les armées ne pourront plus venir de très très loin. Donc allez, allez, il va y avoir une grosse bagarre dans cette zone-là, mais après ça va aller mieux.
Bah, surtout que j'affronte des armées de niveau max avec des trucs, hein. Avec des maraudeurs. Slaughter begets rewards. I have risen. Y a pas d'aspirant champion ici, donc c'est vrai que j'irai peut-être bien un peu vers... tiens, on va prendre des guerriers du chaos à armes lourdes pour avoir un peu plus d'aspirant champion plus tard. Ah, Sudenberg, il y a une armée qui est venue pour les défendre. Ça, c'est pas mal. Ils n'arrivent quand même pas à m'arrêter. Hein. Ils arrivent à me ralentir, mais pas à m'arrêter. Demon Prince, the House of Chaos rejects you. Dommage, y'a personne qui est prêt à évoluer là-dedans. I'll move when I choose. Dark Prince. Où est-ce qu'on va aller après? Pleine des défenses. Oh, c'est pas vrai qu'il va y avoir Mazdamundi qui déboule maintenant. Quel saligo! Ah, il est en guerre contre Gorok. Ah oui, c'est vrai. Mazdamundi aussi. Ah oui. Bah vas-y. Enfin non, il va l'ignorer, je pense, parce que moi, je suis là. Khemri, on va peut-être attendre. Peut-être attendre quand même un tour de reconstitution avant d'y aller. Attends, reste à portée de la ville quand même. Enfin, quoique, il va... Ou alors, je vais assiéger. Non, je vais quand même prendre un tour de reconstitution et puis je vais aller assiéger. Ah, mais il y a tout ça qui va débarquer. Et alors ici, il en reste deux ici. Enfin, quoique, il y en a peut-être encore plus loin. Valkia pourra revenir s'occuper de... Revenir participer au truc, par contre, après. Merci Arcturus pour les 25 mois. Ok, Miragliano, c'est les elfes. Ils sont en guerre aussi contre... Ah non, en alliance militaire. Bon, ok, ils vont me déclarer la guerre sans doute. Grom est plus drôle avec son chaudron. Grom, il y a beaucoup de trucs à faire rigolo avec lui. C'est un des seigneurs peau verte les plus forts. S'il a vraiment des buffs énormes à mettre sur les unités. Mais il est assez fun, ouais. Il est chouette, Grom. Merci Tran pour les 13 mois. Comment ça va être long ce stage? Hein, ouais. Mais est-ce que ça te plaît? C'est ça la question. Merci Blavi, Keken pour les 22 mois. Combien il doit lui rester là? Plus tant que ça. Hein. 17, il doit lui rester quoi? 15, 15, 14? C'est vraiment plus qu'une question de ça. Si les hommes lézards l'attaquaient un peu, ce serait pas mal. Tiens, et Grimgor, il lui fait quoi au nord? Eh ben, Grimgor, il a pris Morgheim. Ouais, le reste, ça avance pas trop. Ouais, Skarsnik, oui, ok, il est reparti un petit peu plus au nord parce qu'il y a Belégar. Ah oui, Kalida, elle est... Oh, le... Bon. Grimgor, je vais te demander de t'occuper d'Akendorf. Consort of Khorne.
futile. Mistress of Skulls. Ah bon? Oh la vache, blindée de cavalerie. Violence and death. Khorne dominates here. T'as déjà fait une partie passive où tu n'attaques personne? Sur Total War Warhammer? The Gore Queen. C'est-à-dire que c'est pas Stellaris, quoi. Merci Nox pour les 14 mois. N'attaquez personne, c'est pas l'ambiance, si tu veux. Chaos incarnate. Khorne demands blood. Non, c'est impossible en fait. Tu peux pas. Faire une run genre gestion et tout, non, c'est impossible. Tu vas te faire attaquer non-stop, tu vas te faire déclarer la guerre tout le temps. Le jeu est fait pour la bagarre, il est pas fait pour la diplomatie. Attends, ils ont laissé tomber en toc. Ok, alors... Ah ouais, faudra retourner à Baga. Non, pas ça. Merci Mike pour le Prime. Bienvenue. Yeah, ça gênera pas pour te harceler. Ah ouais, elle va jamais te laisser tranquille. Mais non, mais vraiment, c'est impossible. Une run pacifiste, de toute façon, c'est pas possible. Enfin, l'IA va te déclarer la guerre d'elle-même très très vite, d'ailleurs. C'est pour ça que c'est pas possible. C'est pas que ce serait trop dur ou quoi, c'est juste que enfin, le jeu fonctionnera pas comme ça. Il te laissera pas profiter. Combien il lui reste? Oh là là, il est en train de chuter. 11! Ah oui, là, il a vraiment perdu, là. Oh damn, on y est presque! Tu te tues, vous vous rendez compte? Pacifiste, tu peux pas, mais Propet, tu peux. Alors, t'as des factions avec lesquelles tu peux un peu plus. Empire. Haut elf. Surtout haut elf. Parce que haut elf, avec la mécanique qui fait que tu peux influer sur les relations diplomatiques. Tu peux améliorer les relations diplomatiques et tout. Là, il y a peut-être moyen de faire un truc. Il y a peut-être moyen de faire une campagne beaucoup plus pacifique où tu vas avoir peu de guerres et de plus en plus de... Enfin, beaucoup d'alliés. Mais il y aura toujours des guerres. C'est impossible autrement. Surtout sur Immortal Empire, il y a tellement de factions de tout type. Propé, genre tu déclares jamais la guerre, mais si on t'attaque, tu ripostes. Ah oui, ça tu peux. Ça, c'est fils dans un jeu qui s'appelle Total War Warhammer. Oui, c'est ça. C'est... Si c'était pas assez compréhensible, ils l'ont écrit deux fois dans le titre. J'ai les hommes lézards qui débarquent en mars. Attends, what? Quand moi je veux abandonner une cité et qu'il me l'attaque le tour d'après, ça cancel l'abandon. Donc en fait, je dois refaire. Enfin, la cité est toujours à moi, quoi. Merci Namarut pour les 16 mois. Bah, merci aussi pour les 23 mois. Plus si souvent, boulot, mais toujours un plaisir de partager avec l'Omnifion. Merci beaucoup. Ah, c'est la bonne vieille armée. Ok, c'est la bonne vieille armée d'invocation Homme Lézard. I have risen.
Bon, attendez, parce que là j'ai trois... J'ai trois armées correctes. Mais je suis un peu encerclé. Reforged for murder. Je sais pas ce qu'ils font les hommes lézards, ils me tournent un peu autour. Je crois que eux-mêmes ils savent pas trop ce qu'ils font. Bon par contre va falloir que je m'arrête là. La dernière ligne droite ce sera pas pour aujourd'hui. Bah ce sera pas pour maintenant. Oh là ils vont peut-être en profiter pour m'attaquer. Là on va raser. Bikini, on va raser. Merci Amgeek pour les 25 mois. Donc il leur en reste combien là? 10 colonies encore. Sachant que je suis en train d'assiéger Khemri. Après il va probablement y avoir une faction, une armée qui va sortir de Noumas. Cela dit, je pourrais aller vérifier en fait. Est-ce qu'ils vont faire ça? Avec Khemri, ça va pas être facile. Chaos incarnate. Merci Chalafi pour les 19 mois. Colonies au fait. Là il y en a une, deux, trois, quatre, cinq, six, sept, huit, neuf. Oh non. Ok, voilà. Dix. L'enfoiré. Enfin, quoique, elle tombera peut-être bien toute seule. Ce qui est sûr, c'est qu'il va plus trop être en capacité de nous envoyer plein d'armées. Allez, on s'arrête là. YouTube, à bientôt pour probablement l'une des dernières VOD. En tout cas, c'est vraiment la dernière ligne droite. Merci Polo pour les 3 mois. Alors à bientôt. Des bisous.